Bienvenue, ravi de vous retrouver pour ce match qui va débuter dans quelques instants. Ici Grégoire Margoton avec Darren Tulette qui nous donnera son regard si particulier sur ce match. Bonjour Grégoire, bonjour à tous, c'est toujours un immense plaisir de vous retrouver. Ok, c'est parti. Bartra. Christian Teillo. C'est un ballon offert à l'adversaire. Bon, voici Sergio Garcia. Quelle fait du bien cette interception. Coup de bouse. Joel Campbell. Il s'impose physiquement dans ce duel. Il choisit là-bas, sur l'aile. Le long dégagement du gardien. Quel timing dans l'interception. Il part en solo. Ouverture vers le poteau de corner. Il reçoit le ballon. Il cherche à le servir. Oui, mais c'est mal fait, c'est mal joué cette contre-attaque. Il y avait beaucoup mieux à faire. Christian Teillo, oh, il a bien vu son coéquipier. Et ce ballon sur l'aile. Joel Campbell, bien servi sur le côté. Il y a danger. Il rejoue derrière lui. Oh, très bon ballon. Il est arrivé à se mettre en position, mais il n'a pas pu déclencher. Sergio Garcia. La passe dans la profondeur, dans la surface. Ce ballon dans l'axe, et il tire, et il marque. Vous en pensez quoi de ce but d'Arène? La passe était millimétrée, elle lui arrive dans les pieds, il termine l'action comme il sait le faire, c'est génial. On y est, le compteur est débloqué. Ils ont pris l'avantage, c'est bien, mais il faut pas arrêter là-dessus. Faut chercher à faire le break. Coup de bouse. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Ah, c'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. La bonne passe. Joel Campbell qui fait son retour dans le 11 de départ après quelques matchs d'absence. Darder, Sergio Garcia, ça manque un peu de solution. Bon, voici Sergio Garcia, il est lancé vers le poteau de corner, dans la surface. Belle passe lobée sur l'aile. Allez, ça peut faire mal. Le ballon sort en touche. Il glisse le ballon en profondeur. Il est passé. Le gardien loin devant. Darder. C'est joué long, attention. Didac qui cherche la profondeur. Il tente de la jouer dans l'espace. Jolie passe lobée, le bon dribble, il y a danger, un bon... Oui, il peut frapper là!
Il est servi. Oh, l'aspiration! Oh, c'est sans conséquence, mais quelle prise de risque inutile! Joel Campbell. Et il n'arrive pas à se rapprocher. Ça joue à gauche. Pour trouver la faille dans la défense. Attention, la frappe! Ça peut être extrêmement dangereux. Darder. Il joue dans l'espace. Il est bien placé. Le soutien derrière lui. La frappe! Redan! Super barré! La passe en profondeur. Et c'est le coup de sifflet, c'est la mi-temps. 45 minutes sont passées, un seul but marqué. On va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé, pourquoi pas. Le jeu est fluide, les joueurs se sont bien trouvés lors de ces premières 45 minutes. Espérons peu que ça continue comme ça. 1-0, on espère quand même voir un peu plus d'efficacité offensive en seconde période. Coup d'envoi de la seconde période. Un petit but d'avance, ils font la course en tête pour l'instant. Le ballon sort en touche. Il envoie le ballon dans... De volée ! Il était bon ce geste, mais il manquait de précision. On voit qu'ils ont vraiment envie de ce but. Vous avez vu le nombre de joueurs qu'ils avaient dans la boîte ? On sent qu'ils vont aller chercher ce but. Et pourquoi pas maintenant ? La longue ouverture sur l'aile. C'est parfait, magnifique. Le centre dévié par le défenseur. Ce sera un corner. Un autre tir. Oh, c'est au fond. Ils n'ont jamais baissé la tête, même quand ils étaient menés. Et s'ils poussaient pour passer devant maintenant? Quelle envie, il s'est jeté sur ce ballon. Il se retrouve au bon endroit, au bon moment. C'est vrai qu'il y a un petit peu de réussite, mais c'est parfaitement joué de sa part. Le jeu reprend sur un score de parité. Alors là, ça peut être un très grand match parce que les deux équipes se rendent coup pour coup. Darder. Il tente de la jouer dans l'espace. Va-t-il en profiter? Le centre dans la surface. Eh bien, sauf erreur de ma part, c'est la première fois du match qu'ils essaient de passer dans le dos de la défense, dans l'axe. Ils sont quasiment toujours passés par les ailes. La passe est précise. Allez, au bout! Ça peut être dangereux. La frappe de Mammouth, extraordinaire. Alors ça, c'était vraiment la grande classe. Yes, 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 yes. Voilà la situation complètement inversée. On dit souvent qu'il faut se méfier des ballons perdus au milieu de terrain. Eh bien, vous voyez qu'on ne raconte pas que des bêtises quand même. Les voici avec un but d'avance. Ils ont réussi à renverser la situation, mais peuvent-ils tenir jusqu'au bout? Ils ne vont pas chercher leurs adversaires. C'est intéressant. Comme elle vient! Non, ça n'ira pas au fond.
Il y avait du monde dans la surface là, c'était une belle occasion. Et l'entraîneur qui fait rentrer du 109. Piatti qui entre, ça va sans doute ajouter un peu de vitesse. Ouf, un peu d'air. Repiqué dans l'axe peut-être. C'est bien donné. C'est bien, il faut continuer comme ça. Come on. À ce stade du match, il n'y a plus à hésiter, si? Exact. Il glisse le ballon en profondeur. Et c'est intercepté. Oui, mais c'est mal fait, c'est mal joué cette contre-attaque. Il y avait beaucoup mieux à faire. Voilà un marquage très agressif. Vu qu'il a déjà marqué, il n'est pas impossible qu'il veuille remettre ça. Ah, c'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Il a trébuché sur cette intervention. La faute est sifflée. Allez, on va en rester à l'avertissement verbal de la part de l'arbitre. La prochaine fois, ce sera carton. Didac. Guardado. Il pourrait faire rentrer des joueurs frais, il leur reste deux changements. Campbell. La passe dans la profondeur. Ça manque de finition tout ça, j'espère bien pour eux qu'ils ne vont pas le regretter. Il a fini de s'échauffer, il va pouvoir rentrer en jeu. Et c'est pas surprenant, il avait l'air de tirer la langue. Un peu de sang frais, ça va le faire du bien. S'il le trouve... Là, il cherche à tuer le match, c'est normal. Ils veulent vraiment passer ces dernières minutes tranquilles. Coup de bouse, qui est donc passeur décisif dans cette rencontre. Attention, il ne reste que quelques minutes pour ne pas avoir de regrets en fin de match. C'est vrai que c'est compliqué, mais ils doivent continuer à y croire. Il décide d'allonger le jeu. La défense est en sursis, ils s'en sortent pas mal sur ce coup-là. Passe en profondeur. Oh, il l'a récupéré. Léo. Allez, il faut aller chercher les résultats, c'est bientôt fini. Faut vraiment se réveiller. Pour trouver la faille dans la défense. C'est joué long, attention. Il est à distance de tir. Il rejoue derrière lui. Il peut frapper. La tentative. Le ballon renvoyé par le poteau. Ah, dommage, ça ne passe pas loin. C'est le poteau qui repousse. Il n'a vraiment pas de chance sur ce tir. Le gardien s'en sort bien. On attendait un arrêt de jeu, le changement peut maintenant s'effectuer. Il était fini, crevé, carbo comme vous dites. C'est clair qu'il fallait le faire sortir. Coup de bouse. On a désormais dépassé le temps additionnel annoncé. Ils obtiennent un coup franc. Ça y est, le coup de sifflet final de l'arbitre. Voilà, c'est une défaite et bien sûr, pour la suite, ce sont des points précieux qui viennent de s'envoler, là. Que retenez-vous de cette rencontre? Je pense surtout qu'il va falloir corriger pas mal de choses d'ici le prochain match. Là, il va y avoir du boulot à l'entraînement. Merci, Darren, de nous avoir éclairé tout au long de cette rencontre. Très belle soirée à tous. À très bientôt. Salut.